Salut à tous, Johan de Séjour, de Noisy-le Grand. Je viens pour faire un très beau spectacle et on va très bien s'amuser. On garde. Allez. C'est la boxe à exactement 24 ans. À mon actif, j'en suis à 45 combats avec 26 KO, exactement 34 victoires, un truc comme ça, et le reste que des défaites et un match nul. Ce soir, pour moi, je suis le challenger. Personne ne m'attend parce qu'ils ne connaissent pas ma boxe. Le seul qui m'a vu vraiment boxer ici, c'est Jamie. Mais bon, il n'est pas dans ma poule. Je pense que si on se rencontre, c'est en finale. Je pense créer la surprise parce qu'ils ne me connaissent pas et pour eux, je viens pas de la savate. Je m'entraîne très bien en savate et je suis très bien préparé. Mon palmarès en Europe, surtout en France, c'est champion de France classe D, amateur, champion de France classe C, amateur, vice-champion de France classe B. L'année qui suit après, je suis devenu champion de France classe A, élite. En boxe thaï et j'ai remis ma ceinture un mois après et je l'ai regagné. Ça fait que je suis devenu double champion de France et j'ai encore une autre proposition la même année encore en début de saison. C'était une ceinture intercontinentale à La Réunion où je l'ai gagné toujours en Muay Thai. Et après j'ai une grosse proposition, c'est championnat d'Europe où je suis aujourd'hui vice-champion d'Europe.
m'appelle Tony Ancelin, je viens du club de Levallois Perret en 92 et je suis membre aussi du Pôle France qui se trouve à Châtenay-Malabry. Ma spécialité à moi, c'est la savate boxe française. Je suis champion de France 2011 et champion du monde. Ce que je viens faire ici, c'est bien sûr gagner le tournoi. Il n'y a pas de, y a pas de secret. Je pense que tout le monde dirait la même chose. Et après, je me suis bien préparé, je suis en forme. C'est un tournoi assez relevé. Il y a certaines personnes que je ne connais pas, d'autres que je connais un peu plus, comme Goran Borovic, le Croate, qui a un gros palmarès que j'ai déjà rencontré en championnat d'Europe. Je l'avais battu, mais c'était très dur. Mohamed Diaby, que je connais bien. Des fois, il nous arrive de nous entraîner ensemble. Ça tombe bien, il est dans l'autre tableau, mais c'est vraiment lui aussi le plus gros client que je redoute. Et on verra sur le ring. Tony Ancelin.